Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je tente ma chance les potos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je peux voir dans le titre de cette vidéo, c'est nous allons gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Donc sur Emelo Modeur, j'en avais parlé un petit peu, on m'a effacé la vidéo, je ne sais pas pourquoi on l'a signalé, mais en fait voilà, c'est légitime, c'est un site en fait qui va te payer pour tout simplement regarder soit des sites, soit liker des vidéos, soit faire du follow, soit retweeter des publications. Et ce site va te payer, et franchement c'est un site super puissant, sauf qu'il y a des détails à respecter. Donc si tu ne suis pas vraiment cette vidéo entièrement, tu risques de te faire ban tes comptes, si tu le fais avec des comptes personnels bien entendu. Donc voilà, nous allons attaquer cette vidéo poto. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à partager aussi cette vidéo pour que tes potes se fassent aussi un petit peu d'argent avec ce site. Donc let's go, c'est parti les potos. Yeah. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo les potos. Donc premièrement, écoute bien ce que je vais dire dans cette vidéo. Car c'est très important. Donc j'essaye de faire ça vite fait, d'accord, mais toi écoute bien ce que je vais faire. Donc premièrement, il te faudra te créer un nouveau compte Google. Si tu te crées un compte Google, auquel dans la description tu auras le lien de du site qui est Everve, d'accord. Donc Everve, ici tu auras un dashboard. Ici tu pourras voir que tu as un dashboard, ouais, tout simplement, tu peux le traduire en français, hop, voilà, on va le traduire en français, et ici, tu as des actions que tu as faites, d'accord, donc ici, pour l'instant, j'ai gagné 8 centimes, d'accord, en euros, ou alors 10 centimes d'euros, pardon, là, c'est aujourd'hui, c'est hier que j'en ai fait un petit peu, en fait, j'avais gagné 1 centime, mais là, aujourd'hui, j'ai gagné 8 centimes 35, et c'est pas fini, hein, je vais refaire tout à l'heure, ou maintenant déjà dans la vidéo, mais tu pourras voir que tu as un tableau de bord, tu as une barre de niveau 1 et de l'XP, un petit peu comme sur Fi.bi, d'accord. Donc ça c'est à chaque fois que tu vas faire des tâches en fait, ces tâches que tu pourras le retrouver dans catégorie de tâches. Donc ici tu vas voir toutes les tâches qu'il y a à faire, donc comme tu peux voir ici le nombre de tâches, la plateforme que tu peux avoir. Donc je te le dis tout de suite en début de vidéo, browser extension, là je vais te montrer pourquoi il ne faut pas l'installer. Voilà, regardez, sur Instagram je me suis créé bien sûr un nouveau compte grâce à mon compte Google que j'ai créé aussi. Donc sur tous les sites TikTok, Twitter, Instagram, tout ça, tu fais exactement pareil. Donc maintenant sur Instagram, je te déconseille de recréer un compte, ça sert à rien, parce qu'en fait regarde, je l'ai laissé tourner 10 minutes hier. Et en fait, mon compte social est bloqué. Voilà. Instagram repère directement ça. Ça ici, je suis connecté, mais je ne l'avais pas activé parce que je connais ce site, d'accord. Et ici, je ne me suis pas connecté. Ici, c'est pareil, vous n'êtes pas connecté. Parce que pourquoi? Parce qu'on peut le faire manuellement. Donc, je te déconseille de te recréer un compte Instagram. Ça n'est pas utile, d'accord, avec ton nouveau compte Google. Par contre, YouTube, oui, recrée-toi un YouTube avec ton compte Google, ton nouveau compte Google. Et à partir de là, tu pourras tout faire manuellement. Donc ça, browser extension, fais une croix directement dessus. Tu as la preuve directement, votre compte social est bloqué. Instagram repère ces trucs et c'est mort. Donc moi, personnellement, ça, je vais la supprimer, l'extension là, d'accord. Donc je vais, hop. N'essaye même pas de l'installer parce que normalement c'est un truc automatique, d'accord. Premier échange de milieux sociaux. Donc supprimer. Voilà, je supprime. Voilà, ça c'est la première information que je te donne. N'installe pas cette extension car tu vas être ban de tes réseaux sociaux. Donc si tu le fais vraiment avec tes réseaux sociaux personnels, tant pis pour toi. Si t'es ban, ton compte est mort. Hein. Donc voilà, là tu as une preuve que je me suis fait ban par Instagram, juste parce que j'ai installé l'extension, browser extension, je me suis fait ban Instagram, ça au moins c'est fait, ça t'y touche même pas, d'accord. Donc normalement, voilà, donc là il est redevenu en orange, ça veut dire que j'ai plus l'extension, c'est cool, donc ne l'installe surtout pas, va directement dans ta catégorie et là tu regardes tout ce qui est en manuel performing, d'accord.
zap tout ce qui est en auto, tu vas te faire ban. Donc ici tu as manuel, donc ici on peut voir qu'on a le traffic and change seul, il n'y a pas d'inscription à voir, c'est juste des sites à visiter, là tu as le nombre, d'accord, et ici tu auras les prix. Ici tu pourras avoir un pourcentage, mais c'est pas au level 1, comme tu peux voir on a 0%, mais c'est à force de monter de level que ici on aura le droit à un pourcentage. Donc plus longtemps que tu vas être sérieux sur ce site, puisque tes sommes ici vont augmenter aussi. Donc les tasks, hein, comme je t'avais dit, donc l'astuce c'est que dès que tu as un compte Google, tu t'es inscrit avec ton compte Google, ben, tu regardes l'autre, tu as là, ici pas besoin d'inscription. Ici, ben qu'est-ce que tu fais avant de cliquer dessus, d'accord, ben, tu vas te créer un compte Twitter, d'accord. Donc, Twitter, tu auras trois catégories, c'est follow, like et retweet. Là, dès que tu as ton compte Twitter avec la même adresse de Google et Everve, d'accord, vu que Everve c'est ton compte Google. Tu te réinscris avec la même adresse email et là tu pourras cliquer dessus. Donc il te faut une première connexion sur Twitter et là tout simplement tu cliques et tu pourras voir les sommes aussi qu'il y a du 07. Donc ce n'est pas toujours du 07, hein, ça change, hein. Ça dépend des personnes, c'est des personnes qui mettent leur prix, hein. Parce que ici tu peux voir qu'on a campagne, enfin, si je le mets en français tu pourras le voir ici, afficher ou gagner de l'argent. Donc tu restes sur gagner de l'argent, afficher c'est si tu veux faire ta promotion et c'est tout. Donc gagner de l'argent c'est ici et là bah, tout simplement dès que tu t'es inscrit avec ta nouvelle adresse mail, et eh ben tout simplement tu refermes ton Twitter et comme là on est sur Twitter, si tu cliques normalement ton Twitter s'ouvre directement comme là, une page va s'ouvrir vu que tu t'es connecté et tu t'es inscrit avec ton nouveau compte, d'accord, tu pourras voir ça. Donc ça c'est soit voir le profil, d'accord, ou soit tu auras follow directement. Donc qu'est-ce que tu fais, tu fais follow directement et si tu reviens sur Everve, parce que tu as un décompte en haut à gauche, voilà, et là il te demande pendant jusqu'à 15 secondes, veuillez patienter, cela peut prendre un certain temps. Donc voilà, il le fait automatiquement et tu gagnes de l'argent. Donc en bref, tu auras compris, je vais pas tout faire sauf à faire attention à ce que tu fais, d'accord. Donc ici c'est abonné Twitter, donc le follow à faire, là c'est le j'aime, les likes, et là c'est les retweets, de retweeter. Donc c'est pour ça que ne le fais pas avec un compte personnel, car je vois mal de t'abonner à des gens que tu connais pas ou des étrangers ou des trucs comme ça, d'accord. Donc fais-le manuellement, c'est mieux, oublie l'automatique, car tu vas le regretter si tu le fais en automatique avec l'extension du navigateur. Donc tout simplement, à chaque fois que tu feras ça, donc première prévention, c'est ne fais pas ça, même s'il y en a 187, ne le fais pas pendant 1 heure, 2 heures ou quoi que ce soit, d'accord, à follow les gens. Fais-le pendant 20 minutes là, après tu passes 20 minutes, là tu repasses 20 minutes, tu t'envoies sur TikTok, tu crées ton compte TikTok, tu te connectes une fois, après tu peux cliquer dessus, mais fais-le 20 minutes, là tu en as 274, on peut voir aussi les tarifs, donc les tarifs de 0010, 0014, vous voyez que c'est bien payé ici, voilà, et à des moments ça peut monter jusqu'à des 0,025, hein, il y a des moments si ça va. Donc ne sois pas étonné s'il y a des moments ben, la page ne s'ouvre pas, d'accord. Si elle ne s'ouvre pas, tu fais tout simplement ici, si elle s'ouvre pas, je sais pas, là elle s'ouvre, mais on va faire comme si elle s'ouvre pas, ici tu auras directement next. Donc tu appuies sur next et tu passes au suivant, d'accord. Donc ici je ne sais plus qu'est-ce qu'il me demandait en fait là. Follow. Demande de follow, donc suivre. Regardez, hop, je fais suivre. Ah, mais oui, je ne suis pas. Donc là, je me suis inscrit avec Twitter. Voilà, là, je suis connecté. Donc c'est pour ça qu'il faut une première connexion avant. D'accord, parce que la page se met directement. Je peux faire suivre. Voilà, puis on va attendre. Comme là, il ne demande pas les 15 secondes. Donc on attend le temps qu'il se finisse. Donc là, dès que c'est fini, tu fermes ta page pour valider ton gain, normalement. Et voilà. Là, j'ai gagné du 0,010. Et tu fais next et tu rattaques. Bref, voilà, tu auras compris sur tous les trucs, Vontech et tout. Donc, je te mets tous les liens d'inscription, hein, si tu veux te reconnecter. Je te mets tous les liens pour te recréer ce compte Google et de te mettre à la même adresse email. Pourquoi la même adresse email? Parce que ici, comme tu pourras voir,
Je vais te montrer un petit truc sur Withdraw. Au début, je dis bien au début, un minimum de 7$. Il faut savoir que si tu le fais souvent, ton gain va baisser. D'accord ? Ça va baisser à chaque fois. Donc il faut savoir aussi que tu as un 5% de frais. Donc, ça m'énerve, on s'en fout de ton extension. Le montant minimum à retirer est de 7$, donc 6,51€. Les frais de retrait sont de 5%. Donc vraiment, si tu veux pas perdre encore de ton argent, 6,51€, voilà, tu auras peut-être, je sais pas, 6€ ou 5€, j'en sais rien. Hein. Je calcule pas tout de suite les 5%, on s'en fout. Mais tu auras 5% en moins de tes 6,51€ sur payeur et 7% pour les autres systèmes de paiement, donc crypto-monnaie et puis les autres. Donc voilà. Donc tout simplement ici je disais plus que tu vas faire d'action des tâches, plus que après ça va descendre. Tu regarderas bien par rapport à ton niveau. Par rapport à ton niveau, ça va descendre. Donc je sais pas si c'est ici qu'on peut le voir. Donc voilà, vous pouvez gagner des bonus 6% si tu arrives au level 31, 1% de bonus aussi par carte. Franchement, il y a des trucs minimum withdraw. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Sur les 7$, d'accord ? Regardez. Là, ici, à 5,28€. Donc, en fait, plus que tu vas monter ton level, moins que tu auras de frais, en fait. D'accord ? Donc, là, chaque nouveau niveau de votre compte ouvre de nouveaux avantages. Par exemple, en atteignant le 50e niveau, votre bonus au gain sera de 10%. D'accord ? Donc, 10% en plus au 50e niveau, 10% par rapport au gain. Donc, si tu as du 0,007, tu auras du 0,0077. Donc, c'est bien, au lieu de 70, 77. Donc, le bonus à toute recharge de votre solde sera de 3% et le montant minimum de retrait sera réduit à 5,50$. Donc, retiens bien, 50e niveau, ça descend à 5,50. Mais bien sûr, si tu arrives au 10e, 15e, je crois que ça va commencer à descendre. Je crois que ça va être à 6$ ou un truc comme ça. Si je me trompe pas, c'est toujours comme ça, d'accord. Donc voilà, poteau, pour ce faire, n'utilise pas l'extension Google Chrome. Crée-toi un nouveau compte Google et passe vraiment sur tout ça. Alors tu te recrées ça et passe vraiment un petit peu de temps. Tu peux tout faire, de toute façon dans Perform Task tu as tout. Tu commences par les exchanges trafic, ça tu peux tout faire d'un coup. Mais à partir de là, tu passes, je sais pas, tu follow pendant un quart d'heure quelqu'un, tu like pendant un quart d'heure, tu retweet pendant un quart d'heure, et après tu passes à TikTok, enfin tu fais tout en suivant pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que tu sais très bien que les réseaux sociaux vont se dire, si tu fais ça pendant une heure à follow quelqu'un, une heure à liker quelque chose, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc fais-le vraiment tous les jours, un petit quart d'heure par-ci par-là, tu peux le faire de temps en temps, hein, faire toute la ligne, et après tu reviens le soir, tu recommences au début, et puis voilà, et tu verras ton solde qui va monter en flèche, comme tu peux voir, il y a du 11$, comme du 11 centimes de dollars, du 10 centimes là, alors que je l'ai même pas fait une heure, quoi. Je l'ai pas fait une heure. Je suis resté, je crois, sur follow, like, retweet, et je l'ai pas fait. J'ai fait du TikTok follower et le traffic and change, j'ai tout fait. Donc ça m'a donné ça, du 10 centimes. Donc là, je vais continuer tout à l'heure, mais c'était pour te faire ta vidéo, de ne pas trop abuser, de pas rester trop longtemps sur une seule catégorie. Change pendant tous les quarts d'heure. Moi, j'ai fait tous les quarts d'heure, voilà. Et tu verras que ton solde va monter. Il faut savoir qu'ils contrôlent à la fin, dès que tu arrives à 7$, hein, minimum, comme ils ont dit, 7$, arrive à 7$ minimum que tu peux retirer, ils vont contrôler tout ce que tu as fait. Ça veut dire que si tu as liké, tu as follow, tu as retweeté, et que tu as enlevé tout ça, hein, juste après, eh ben, tes gains ne sont pas acceptés, et tu as une amende de 1,50$. Donc voilà, poteau, fais attention à ça. C'est pour ça de te recréer un nouveau compte, et puis de travailler avec un nouveau compte Google et Everv et des nouveaux comptes de réseaux sociaux. Et là, tu pourras remarquer que tu vas gagner pas mal d'argent sur ce site. Voilà, poteau, moi je n'ai pas d'autres questions, sinon tu peux traduire en français et puis aller checker un petit peu tout ce qu'il demande, d'accord. My Activity, donc là tu pourras voir tout ce que tu as fait, vous voyez, regardez. Du 03 earning, donc on peut voir sur YouTube,
qu'est-ce que tu as gagné. Tu peux aller voir sur Manuel Performing, c'est les sites, 4 centimes. Vous voyez, ça peut aller très très vite si vous abusez pas de ce site. Voilà poteau, c'était une courte vidéo. Fais attention à toi, ne fais pas ça avec tes réseaux sociaux personnels. Fais ça comme je l'expliquais, invente-toi un nouveau compte Google et recrée-toi tous ces sites. Moi, ça m'a pris 20 et 25 minutes et je gagne de l'argent maintenant avec ça. Donc, en attendant, moi je te dis bonne chance et bon gain sur Everve. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Ça va m'encourager à continuer cette chaîne parce que franchement, si ça ne marche pas, eh ben je gagnerai mon temps à gagner de l'argent pour moi-même. Tout simplement. Donc, au lieu de faire des vidéos, je passerai une heure, deux heures, au lieu de faire des vidéos, une heure, deux heures, à regagner de l'argent pour moi. Et ça sera dommage pour vous, les potos, de ne pas profiter des opportunités que je peux découvrir. Donc voilà, c'était comment gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. Moi, je te dis à plus tard. Bonne chance et bon gain, potos, sur Everve. C'était Je tente ma chance. À plus. Tchuss. Yeah.